T'as bien fait. Ouais. Ouais, tu as raté cette occasion du coup. J'ai raté. Non, mais le reste, je réussirai, ça ira mieux. Quand vous sortez au début, vous sortez par les remparts, vous sortez pas par les portes, ça sert à rien. Vous sortez, vous descendez des petits trous en haut et on va se focus. Quelques petites précisions, les bruisers, les doubles haches. Vous avez une énorme faille qui fait énormément de dégâts, qui stun le mec et qui est très utile. Essayez de la garder un maximum, utilisez-la que quand vous voyez des gros packs, utilisez-la de façon intelligente. Et surtout, quand je vous demande de garder vos CD, quelque chose que j'annonce quelques secondes avant, vous les gardez et vous les lancerez au moment où je finirai mon petit décompte. Pendant l'attente, n'oubliez pas de bouger, n'oubliez pas de sauter, parce qu'il y a eu des modifications niveau Wardeck. Quoi? Niveau Wardeck, dans le tableau, est-ce qu'il y a eu des modifications? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas été pris? Est-ce qu'il y a des choses à redire? Ouais, ça j'ai pas vu. Euh, Il y en a question. quelques-unes avant que ça bouge, je pense. Est-ce que c'est intéressant? Il y a YQTV qui est pas là, a priori. Ouais. Petite question, Kildorn des Alliances de l'Est. Il y a une demi-heure, j'étais pas sur le tableau, là j'ai eu une invite. Oui, il y a eu 2-3 modifs dernière minute, donc viens si t'as été pris, hein. J'ai pas du tout suivi ce Moi qui s'est j'ai passé avant, je suis désolé. pas été invité. T'es dans quel groupe? Pareil groupe pour 5. Sinon, Kildorn. Groupe 5. Okay. Main group à droite sur c'est ça. Hein. Non. Non, il est pas 5. Hein. Bah moi je le vois groupe 5 dans le tableau de garde. Ah pardon, 5, 5, pardon, 5. Kildorn, il est à la place de Nashom là. Et Orsino, groupe 7, pareil, j'ai pas d'informations, je viens d'arriver. 7, 8, 9, 10, vous êtes avec Norinrad, on est sur le rempart, on est à gauche de la porte, et vous me suivrez, je donnerai toutes les infos au fur et à mesure. Si vous n'êtes pas dans le groupe 7, 8, 9, 10, vous pouvez commencer déjà à baisser en volume Discord. Ce Oui, tous ceux que je qui sont raconte dans le ne vous groupe intéressera pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous baissez le volume de Norinrad. S'il vous plaît, vous le baissez, vous le mutez pas complètement, juste vous le baissez un tout, enfin, tout petit peu beaucoup. Je peux le muter à 20% max, ça suffit. Groupe 7, 8, 9, 10. Voilà, il y en a à qui ça va faire, voilà, il y en a à qui ça va faire extrêmement plaisir. 8, 9, 10, vous avez l'habitude. Groupe 7, vous baissez le micro de Kimounet. Je parle actuellement, vous le baissez un tout petit peu. Enfin, tout petit peu. Question, est-ce que c'est intéressant de faire des macros pour dire quand est-ce qu'on lance des failles ou des choses comme ça? Si Avec t'as une macro nos qui blasts? t'empêche pas de jouer, en vrai, pourquoi pas, ouais. Si tu le sais le faire et que tu as l'habitude de le faire, oui, vas-y. Nous le dis pas en vocal. Moi, ça va me permettre de faire des orientations sur Obsolo. Mais en tout cas, fais des macros. Si tu peux utiliser, tu sais utiliser, que tu peux la faire, allez, vas-y, défoule pas. Je vais tenter. Voilà, défoule-toi. Par contre, je vais pas te mentir, la dernière fois que j'ai fait première war, j'ai arrêté au bout de 2 secondes. Mais il y en a qui arrivent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'oubliez pas de bouger, n'oubliez pas de sauter, n'oubliez pas de vous déplacer pour ne pas être kické. Du coup, Kildom, si je dis pas de bêtises, tu es un healer. Oui. J'aurais du 5 healers, 2 healers, groupe 5, on va faire avec. Oursino, tu dis quoi? Je suis désolé de te demander. Arc lance. Arc-lance. Ouais, je peux passer lance hachette si besoin. Je vais t'échanger avec quelqu'un pour t'en répète ce que tu viens de poser. Je joue arc lance et je peux jouer lance hachette. Je vais te passer dans le... Je vais te changer de groupe. J'ai besoin de plus de bruiseurs dans le groupe 7. Tu vas passer groupe 4, donc baisse le micro de Norine et remonte-moi. Thunder, t'échanges. Thunder, je viens de t'échanger, je sais pas si t'es en vocal, normalement oui. C'est Thunder, bon. tu es dans le groupe de Norine maintenant, groupe 7. Donc tu descends mon micro et tu montes le micro de Tu Norine. m'avais pas dit que tu prenais Nashom sur la deuxième war justement parce qu'il vient de respé, je sais pas quoi? Si, mais il a pas accepté. Ok, Nashom est 16ème, faut le trouver une place. Ouais. Pas pris en war, je rappelle qu'il y a un groupe qui va se former à 22h30 pour cap V2. Comment je quitte déjà? C'est moi qui dois m'occuper. Pour quitter Alt F4. N'oubliez pas de sauter sur place. Juste que c'est chiant, alors c'est... Quelqu'un peut m'aider à le kicker s'il vous plaît? Tu veux Kiki? Kildom, Kiki. Kildom vu. Je peux pas, j'ai pas le droit. Report player. Ah non, on commence pas avec les abus de pouvoir. Hein. C'est bon, c'est juste le remettre, mais il faut qu'il décorote le machin. Dans le groupe 4, on est censé prendre potions de célérité, des pièges, des trucs, des A spécificités. priori,
Tout le monde potion de célérité à part le groupe 3 qui prend des trucs de canon quoi. Il nous entend Nashom? C'est bon, t'arrives à des Koroko? Qu'est-ce qui se passe? On peut pas t'inviter? Je le call. Alors excusez-moi, je viens de revenir. Groupe 9, c'est pour... Vous pouvez me répéter, c'est pourquoi? 7, 8, 9, 10, t'es sur le rempart de gauche, on ira défendre B avec Norinrad. Ok, très bien. Il m'a entendu lui, mais les autres non. On t'a très peu entendu en fait Norin, c'est bon. Ouais, c'est normal, j'ai compris. N'oubliez pas de sauter sur place, sinon vous allez vous faire kick. Bah, fais un pas de côté alors. Non, ils le sont toujours, hein, c'est pas ça? Quoi? Le découpeur, du coup, tu mets rename ou pas? Mais vraiment, sincèrement, je Ouais, ouais. C'est très efficace. Le découpeur magique, quoi. Ouais, voilà. Elle est toute petite par contre. Je parle pas de la lame. Hein. C'est l'odeur. 7, 8, 9, 10, on est, ouais, on est sur les épées. Ouais. 7, 8, 9, 10, on est sur, sur la gauche, sur le rempart. J'ai pas l'impression qu'on soit 20. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 5, 4, 11, tous ceux qui sont avec moi, groupés par 5. C'est juste un bug. Du coup, Lord Imperio a pris la place, c'est ça, du coup? Ouais, j'ai été appelé, c'est un bug. Ouais, c'est un bug, mais enfin, reste là au cas où, parce qu'on n'arrive pas à choper le dernier, en fait. Ok. H double marteau. Ok, tu vois ça. Un bonheur. Vraiment un bonheur de connaître. Parce que du coup, je sais pas ce qu'il faut. Genre il était pas... Non, non, mais c'est Young qui me dit que Nashom, j'étais pas content de pas être pris, mais alors qu'il est pris, mais du coup je crois qu'il a rage quit, il est déco. C'est ça, ouais. C'est pas à cause du pantalon, ça. C'est le pantalon, ouais. Non, il était pris depuis le début dans cette barre, c'est juste la ward de 20 où il a pas été pris du coup. Et puis, bah je sais bien, mais... Y'a moyen de switch découpeur et baloton ou pas? On peut tester une fois comme ça? C'est le même rôle de toute façon. Non. Dans les mêmes équipes. Découpeur, être... mage, belotin, cac. Ah oui, c'est pas grave, qu'il soit dans le groupe 8 ou dans le groupe 7, ça change rien. Comment ça, les mages? Ok. Oui, découpeur. C'est de la défense, là. Ah, pardon. Non, mais ça choque tout le monde, je suis désolé. Oui. Ah. Je viens de tilter que c'est de la défense. Non, parce que j'ai vu 304 dégâts, c'est le dernier rang. Non, je regarde, je te donne. Non, 250. Non, je parlais de dégâts. D'accord, t'es dans la moyenne. My bad, ouais. Ouais, ouais. Non mais c'est qui, tu comprends, c'est juste qu'on a des mages. Allez. Si, j'étais en réserve à la base. Regardez votre casque. Chifouyo. Taisez-vous. Arrêtez de tousser. De réponse, quel deck tu joues quoi? Lance arc. Je suis désolé, je vais t'enlever, on a trop de lance arc, je vais devoir. Bah, ça marche, je m'attendais à être en réserve. Je t'en prie, ce sera pour la prochaine. Du coup, de ceux que je connais, Kashmada, par deux. Il est pas là vraiment ou? Ouais, je n'ai pas la permission pas de manager l'armée. Pas de réponse, bonne réponse. Tant pis. Vous cherchez quoi? C'est bon. C'est le moment de boire et de manger des potions et des huiles essentielles. Cash, t'es là? Ouais. Ouais, c'est le moment. Prenez vos bouffes, prenez vos potions, prenez... Pas de mauvaise blague. Allez, on y va. Bah attends, il manque 3 minutes encore. Pour tous les autres, du coup, on répète ceux qui sont pas pris, là. Vous
vous allez vous rendre à Gré du Vent et vous pouvez commencer à faire vos 4 PVP pour pouvoir les rendre au moment opportun. Il y a déjà du monde sur place, donc vous pouvez faire des quêtes ensemble. Groupez-vous, mettez-vous dans Ward 2 une fois que ça sera parti, et puis on vous rejoindra après. Du coup, vu que je suis arrivé en retard, groupe 5 c'est... Groupe 5 c'est avec Kimounet sur le point C. C, ok, ça marche, merci. Voilà. T'es à droite sur le rempart. À droite sur le rempart, sur Kimounet, il faut le sauter. 7, 8, 9, 10, on est à gauche sur le rempart. Et si tu veux baisser le son de Norine, qui reste 2 petites minutes, qui va parler en même temps que moi, hésite pas. Hésite pas, tu m'entends que moi. Norine. De base, 7, 8, vous irez sur le point B. 9, 10, on restera en retrait, on va essayer de flank. 9, 10, pour l'instant, on restera sur la choke de B. Je pense qu'on va flank sur la gauche et on ira taper ceux qui auront impacté 7 et 8. 7-8, pas de potion de speed au début. Pareil pour 9-10, on tempo. On va sûrement potion de speed pour faire un flank plus efficace. 7-8, vous essaierez de vous regrouper vraiment autour du point sans être à portée pour vous faire AO la gueule quand même. Et 9-10, bien paqué derrière moi, pareil au start et on impacte fort dans le dos. Ok. Ah, que la dernière war aussi. Ouais, ils ont pris 10 de backup. Dans les infos utiles à donner, c'est les temps de respawn. Si vous, si à un moment vous êtes mort et vous avez genre 10 secondes avant respawn, 15 secondes avant respawn, c'est intéressant de le dire. Go prioriser le point C, hein. Genre il faut absolument que... Enfin c'est mieux d'être, de finir sur la side. Hein. Ouais ouais ouais, on est 20 milieu et tous les autres sont à droite. La pression sur le groupe 3, de toute façon si on perd c'est à cause de... Oh bah super, merci. Mais merci beaucoup, la pression elle est pas du tout là. Ouais, vous avez des canons T3. Surtout vous mettez pas la pression, dégâts, ouais. Mais si on perd c'est votre faute. Ok. Jamais vous perdez vos canons. De toute façon les canons c'est les pires. C'est Gulgamesh non? Salut. Ouais, je suis avec vous ce passé. Ah t'es pas au canon? Attends, y'a Gulga qui est pas dans le bon groupe. C'est normal. Rix. On essaye de suivre 5. Alpha. Allez, let's go. Allez, le 7 deck. Et 8 sur B. Spirix. Yes. 9 et 10, on contourne sur la gauche de B, on y va tranquillou. 7 et 8, vous occupez on bien l'espace sur B. Allez, 9 et 10, on tempo. 9 et 10, on tempo. 7 et 8, vous êtes sur le point. 9 et 10, on se prépare à impacter sur le side. On tempo, on est à gauche. On tempo, on est à gauche. On va potion de speed, potion de speed. 9 et 10, on impacte sur la route. 9 et 10. On clean up tout ce qu'il y a là. On est dans leur dos. Ça arrive ouais, 9 et 10, ouest, ça arrive full ouest. Ok, 9 et 10, on les lave. Cette chance de la gauche. 9 et 10, un flank sur la gauche. En route, on regarde vers le point, il y a des gens à tuer. On les... Voilà. Ils sont 7 sur C. Ok. 7 et 8, vous tenez toujours le point B. Ok. 9 et 10, on va pousser jusqu'à la porte de leur warcamp. On pousse jusqu'à la porte de leur warcamp. Allez. 9 et 10, on pousse jusqu'à la porte. On les impacte, on clump pas. Allez, 9 et 10, on pousse jusqu'à la porte de leur warcamp. On se regroupe à la porte de leur warcamp. Sur B, on va attraper un galactique, Tiog. Allez, 9 et 10, avec moi, à la porte de leur warcamp, à la porte principale, 9 et 10. Ok, 9 et 10, on commence à être groupés devant la porte principale de leur warcamp. On va charger direction sud-ouest, à la droite du point quand on regarde depuis le warcamp jusqu'à B. On charge direction sud-ouest.
Ok, j'ai chopé un healer, oups. Allez, oups, on le charge, on le tombe. Ok, on va charger le groupe 9 et 10 jusqu'... Non, ça va. On charge jusqu'à la choke. On charge jusqu'à la choke, 9 et 10. On se regroupe à la choke. À la choke devant notre porte principale de la forteresse. 7 et 8, vous êtes sur le point B. Ok, 9 et 10, on est sur la choke point à côté de B. Je vais avoir besoin d'être sur B. Ok, 9 et 10 sur le point, 9 et 10 sur le point. On va full AOE sur le point, maintenant. Allez, 9 et 10, on pousse. Ok, il y a un debuff armure. On reprend la choke, 7, 8, 9, 10, on reprend la choke devant la porte principale. 7, 8, 9, 10, on reprend la choke principale. Allez, vous regardez la porte principale de notre forteresse, direction sud. Je 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10 sur la choke, on se regroupe sur moi. Non, je suis tout seul. Allez, on se regroupe et on va charger direction nord-ouest, à gauche de B. À gauche de B. On prend la choke. Sur la choke, il y a 10 joueurs. Sur la choke. Il y a 10 joueurs ennemis sur la choke point. On est sur la choke. 7, 8, 9, 10. Sur la choke. Sur la choke point, devant la porte principale, c'est les gars. C'est presque 7, clear 8, sur 10. C. Je veux voir tous les joueurs sur la choke point, porte principale. Ensuite, on ira sur B. Pour l'instant, on est sur l'euro sauvage, on est sur Nounoun. On est sur le choke point, sur l'espace entre les deux petits points de ralliement là. Je suis en raise. Ok, la choke a l'air d'être à peu près sécurisée. On va charger sur le point. C'est pas encore tout à fait ça. Ok, Sirenti on le tombe, plein milieu, plein milieu. Dès que Sirenti il est tombé plein milieu, on va charger direction B. Allez, on pousse. On va deep, il y a une backlane à attraper là. Sur la route. On va chercher leur backlane. On pousse. On va deep, on met tous les CC, on les attrape, on les pousse jusqu'à leur warcamp. Ils sont tous stun dans leur backlane. Allez, on pousse. Si vous trouvez qu'il y a une porte, c'est que vous êtes arrivé à destination. Sur C, Kim, ça commence à arriver. Ça arrive sur C, une dizaine. Ouais. 10-12. Ouais. On est devant la porte de leur warcamp, on les campe nous. Allez, 7-8-9-10, on campe la porte principale de leur warcamp. 7 et 8 plutôt à gauche de la porte, 9 et 10 plutôt à droite de la porte. S'il y a du monde. Putain. Ok, 7, 8, 9, 10, full droite du warcamp. Porte principale, 7, 8, 9, 10 dans la porte principale. Maintenant. Il y a un pack, porte principale, tout le monde. Ok, on a fait un carnage. Et on pousse direction est-nord-est. Il y a un petit groupe, est-nord-est. On est à la porte principale, on regarde est-nord-est, on tombe leur healer là, on tombe tout le monde. On va faire demi-tour, on va se diriger tout doucement vers le feu de camp qui est à côté de B. On va devoir accélérer. Ok, direction B. Une fois qu'on les a web devant la porte principale, direction B. On se prend un rush sur B, Kim. Ça devrait passer, mais on rush sur B. On va tous les clean-up sur B, ils sont venus depuis la droite. On les clean up sur B, une fois on met tout notre CD sur B, et ensuite on déclump. On se met sur le point B, on les tue. Je veux tous les corps à corps sur B pour l'instant. Dans 3, 2, 1, sur le point, on clean up le point. Ok, les corps à corps qui tiennent, vous êtes sur le point, on les décape. Les autres, vous êtes autour du point. On regarde direction ouest, c'est de là qu'ils viennent. Ils sont entre sud-ouest et ouest. Ok, on est sur le point B, on va charger direction sud-ouest-ouest. 7, 8, 9, 10. Ils sont deux groupes. Allez, 7, 8, 9, 10, on charge direction W, ouest. 7, 8, 9, 10, on pousse direction ouest. On essaie d'en attraper quelques-uns. On pousse. Blacker type là, il s'est barré. On a poussé. Ok, on regarde à nouveau le point B. Sur la route, vous voyez, il y a un clem qui est en train de se former sur la route. Allez, 7, 8, 9, 10, on regarde B, on regarde direction nord. On va charger à travers le point. On va charger sur la route. Maintenant. Potion de speed, on charge. On
charge deep sur Baloutin, sur Spirix. On charge sur le chemin, à nouveau, on pousse toute leur backline là, c'est des petits singes. Ils essaient de roter vers toi. Ça arrive par la forêt. Ok. Allez, sur B, 7 et 8, vous restez sur B. 9 et 10, on pousse jusqu'à la porte. 9 et 10, on pousse jusqu'à la porte principale. 9 et 10, on pousse jusqu'à la porte principale du Warcamp. 9 et 10, porte principale du Warcamp. 7 et 8, vous allez sur C maintenant. 7 et 8, vous allez sur C maintenant. 9 et 10, on va se diriger vers le point qu'ils ont déjà capturé. 9 et 10, on est dans la forêt. Ils vont arriver par là, on se met dans la forêt, on les attend. 9 et 10, on patiente dans la forêt, on est direction sud-ouest-ouest, on va pousser, ils vont se regrouper. On va les charger, on ne laisse pas se regrouper. On les charge, s'il y a personne, il n'y a personne. Ok, cancel. 9 et 10, on retourne à B. 9 et 10, on retourne à B. Dans seconde. Ok, 9-10 gossé, y'a personne. Un qui reste avec moi de mon groupe, NP tu restes, tout le reste gossé, tout le monde. Allez, potion de speed, vous allez sur. Ouais, je t'ai envoyé déjà tout le monde. J'en ai plus que deux avec moi. Allez, j'ai NP avec moi, tous les autres on est sur C. Hein. Allez, call AO sur C, sur le point dans 3, 2, 1, full clear sur C. Seconde de reste. 3, 2, 1, full reste sur C, full AO sur C. Tous ceux qui restent, vous faites un reste sur B. Tous ceux qui restent, 7-8-9-10 rush B, maintenant. 7-8-9-10, j'ai besoin de vous sur B, ils sont en train d'arriver. Vous regroupez au feu de camp, 7-8-9-10, regroupement feu de camp, et vous chargez tous en même temps. Ils sont sur nous, ils sont une grosse quinzaine, tous leurs restes sont sur B là. 7-8-9-10, regroupez feu de camp, et patientez feu de camp. Ok, on va charger direction point, chargez sur B, vous êtes assez. On charge sur B, on clean up sur B, ici il y a une grosse AO à faire là. 7-8-9-10, on est en train de les AO sur B. Ok, c'est plus ou moins clean sur B. C'est tranquille en ce moment. Ok, 7-8-9-10, direction ouest, on est sur notre checkpoint, on se regroupe sur notre checkpoint, porte principale sur B. On va charger direction ouest, on va charger direction du point qu'ils ont déjà capturé. Pour l'instant on se regroupe sur Norin, on est dans notre backlane, il y a beaucoup de gens qui arrivent dans notre backlane sur la porte principale. Ils sont une dizaine au niveau de la porte principale les gars. Ok, turbopilote, vous le voyez, il est debuff. On rentre dedans, turbopilote, il faut qu'il tombe. C'est bien. Zawaza, il est route. Je crois que le 2, on décale avec le surmet. 7, 8, 9, 10, on tient la porte principale. Allez, 7, 8, 9, 10, porte principale. On n'hésite pas à se coller jusqu'à la porte principale. Faut qu'on arrive à se regrouper pour avoir de l'impact. Il y a 3 mecs qui rotate vers. Ok, feu de camp. On est à droite de B. Mort sur 9. 7, 8, 9, 10, on est à droite de B, on est sur le feu de camp. On va se regrouper, dès qu'on sera assez nombreux, on aura plus d'impact. Ok, c'est 15 secondes, vous pouvez mourir maintenant. On se regroupe sur feu de camp, on les clean up autour du feu de camp, les gars. Turbopilote à nouveau. Ok, 7, 8, 9, 10, on est autour du feu de camp, on va pousser direction du point B, on va tout clean sur le point, on charge. Il y a un gros clump sur le point B. Ok, on les tue vite sur le point B, on les tue vite et on déclump instant. Allez, 3 de moins, c'est bien. On retourne au feu de camp. On recule si on peut, on retourne sur le feu de camp. Ok, ça c'est clean là-bas derrière. Ok, route, prochain objectif, on part du feu de camp et on impacte sur la route. Allez, route et ensuite B. Sur la route, derrière B. Allez, 7, 8, 9, 10, on est sur B, on part du feu de camp, on est sur la route. Là où on est sur en boucle depuis tout à l'heure. De leur côté. On va rester dans le dos.
Ils viennent depuis C et ils nous arrivent dans le dos sur B. On tempo, on se disperse, on se clumpe pas. J'ai beaucoup de monde sur moi. J'ai l'impression, ouais. Ok, on va charger tous direction B, on va essayer de les clump. On est tous sur B. On va charger dans 3, 2, 1. Full AOE sur B, il y en a une dizaine à tuer sur B. Ils sont stun, ils sont en route. Allez, Zarzat, Obidion, ils sont sur B. Ok, on va refaire un call AOE sur B dans 3, 2, 1. Full dégâts derrière B sur la route, derrière B sur la route. Ils sont stun. Sur la route. Ok. 7 et 8, vous reprenez le contrôle du point B. Attention, ça nous arrive dans le dos. 9 et 10, on est sur le feu de camp. On va se regrouper. 9 et 10 sur le feu de camp avec moi. On va aller chercher. Ok, 9 et 10, on est déjà en position, on intervient sur le point C. 9 et 10, potion de vitesse, on intervient sur le point C. C'est bon, Skim, j'ai géré le point C. J'ai déjà géré le point C, on y est déjà, on est déjà 10 de plus. 9 et 10, on impact sur C, on les clean up. 7 et 8, vous continuez de défendre le point B. Feu de camp à nouveau, le 7 et 8. Et une fois que vous êtes sur le feu de camp, sur 7 et 8, dès que vous êtes regroupé, vous chargez en direction du point. Dès que vous voyez un clump, vous chargez dessus. Ils sont... Ok, 9 et 10, on va les pousser jusqu'à la plage. 9 et 10, on va les pousser jusqu'à la plage sur C, là, pour réussir à les clean up. Ok, 9 et 10, on se regroupe sur C. Vous gérez sur C? Ouais, mais ton groupe qui est sur C. Est-ce qu'ils ont encore besoin de nous? Ok, 9 et 10, on est derrière C, on va charger à nouveau. Ils sont une dizaine. Ouais, je les vois. 9 et 10, on va charger sur la droite, là, on va charger sur la droite. Allez, on va deep sur la droite, et on va attraper tous ceux qui font chier sur C, là. Ils nous tempo trop sur C. On passe dans leur dos, deep, et on les attrape, on les défonce. On passe deep dans leur dos, on les attrape, on les défonce, on fait un maximum de dégâts autour de C, et ensuite on retourne à notre place. C'est bien ce que vous faites, les gars. Ça fonctionne. Ouais, on s'éloigne trop, vous faites trop raide, les gens. Revenez sur le point hein, sur C. Revenez sur le point sur C. Ça se passe. Ok, 9 et 10, on continue de les push. On va devoir se regrouper sur le point. Ok, 9 et 10 on lâche. Allez, il nous faut des zones de soins. C'est les respawn info. Ok, ils nous chargent, ils vont être stun. Direction S, 9 et 10, on avance. Ceux qui se sont mis en danger, on les charge sur 9 et 10. Allez, notre backline sur C, les gars. Notre backline, elle se fait engage. On les attrape. Lofi, il est chiant. Très dur à attraper. Si on arrive à le one shot, on est content. Lofi est mort, bien joué. Ok, 9 et 10, on va reculer feu de camp. On est à gauche du point C, on recule. 9 et 10, on recule, on se dirige vers B, on est au feu de camp pour l'instant, sur C. On va voir s'ils ont besoin de nous. Ok, 9 et 10, on est au feu de camp. On va faire un gros flank. Attendez, 9 et 10, on recule, on fait genre on est parti. Allez, 9 et 10, direction nord. 9 et 10, direction nord, on fait un gros flank. Gros flank sous potion de speed maintenant. Potion de speed, gros flank dans le dos. On arrive dans leur dos sur C là. On continue de tempo. Gros flank, on arrive dans leur dos sur C. Full impact sur C, dealer. Full impact sur C maintenant. Sur B ou sur C? Sur C. Il recule à nouveau sur C. En vrai, tu veux qu'on rééchange parce que. 10 secondes de res. Ouais, moi non plus. 5 secondes. Ok, 7 et 8. 7 et 8 sur B, vous êtes feu de camp. 9 et 10, on est feu de camp sur C.
9 et 10, on rotate sur B. 9 et 10, on rotate sur B. 30 secondes 7 et 8. 7 et 8, on est sur le feu de camp. On va charger en même temps que nous on arrive de 9 et 10. Ok, 7, 8, 9, 10, on se prépare à charger sur B. On full impact dans 3, 2, 1. Full impact sur B. 8, 7, 8, 9, 10. Full impact sur B. 7, 8, 9, 10. On va les défoncer. On va faire 20 milliards de kills au moins. Ok, on met tous nos sorts et on recule. On si est ça va être la merde. Je te les ai full clear et je les regroupe. Ok. B ou C? Ils sont pas encore tous morts. Les... Ouais, ça ira, ça ira. 7, 8, 9, 10, on les pousse. On est sur B. On va faire un full AOE sur B dans 3, 2, 1. Full B, full B, full B, full B. 7, 8, 9, 10, on est sur B, sur B, sur B. Ils sont débuffés. 45 secondes. Hein, de... Ça marche. On est sur Gofron. Allez, dès que c'est in sur le point, uniquement des tanks sur B. Uniquement des tanks sur B, on se déclump, on se regroupe au feu de camp, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10 au feu de camp. On sort de ce guépier. 7, 8, 9, 10 au feu de camp, on va pousser B à nouveau quand ça sera fait. Ouais, 7, 8, 9, 10, on est au feu de camp, on va charger direction de B, ils vont être bien clump là dans 3, 2, 1. Tout sur B, tout sur B, tout sur B, tout sur B, ils sont clump, ils sont clump, vous les voyez au fond, au fond, au fond, au fond. Ils sont tous débuffés. 36 secondes reset. Allez, on tient B, on tient B, on tient B, on tient B. C'est nickel, on a des renforts qui arrivent. Juste full tempo sur B, les gars. Allez, 7, 8, 9, 10, on clean le point. 7, 8, 9, 10, on clean le point. 15 secondes de res. Ok, 7, 8, 9, 10 sur notre backlane sur C. 7, 8, 9, 10, on est feu de camp sur notre backlane, il y a trop de bordel. C'est la merde sur C. Je veux qu'il soit nettoyé là. Feu de camp. Bon, 10 heures. Ouais, même plus 15. 15 heures. Plus 15, ouais. Pas de soucis. 8, 9, 10, on va impacter direction de la porte principale de leur warcamp. 7, 8, 9, 10, on est au feu de camp. On va charger direction porte principale du warcamp. Ils sont pas prêts. 3, 2, 1. On impacte route, route, route. Porte principale du warcamp ennemi. Route, route, route. Ils sont clump, ils sont cessés. On charge jusqu'à la porte, si vous touchez du bois c'est que vous êtes arrivé. Bien joué Alpha. Allez, la porte elle est à nous. Allez, ceux qui rez, ils meurent. Allez, 7, 8, 9, 10, on est à la porte principale de leur warcamp et on va charger en direction du point B. On se regroupe, porte principale de leur warcamp. On charge direction du point B dans 3, 2, 1, vous les voyez, ils sont direction sud-ouest à côté du point B. On charge direction point B. Ceux qui sont sur le côté du point B, là vous les voyez, il y a un pack, ils sont CC, ils sont dans une zone. Bien. Ok, on est dans le back de notre point. Sur le point, il y a quelques mecs qui font les malins. Ok, ils ont raise en masse à leur porte principale, ils ont raise en masse. On est sur le point, 7, 8, 9, 10, on se prépare à charger sur la route à nouveau. Préparez-vous, on va charger sur la route quand je vous le dirai. Pour l'instant, on est sur le point B, les gars. On recule. On a un flanquier qui arrive. On recule sur le point. Ils sont pas encore sortis, ils sont re-rentrés même, ils ont peur. On défend le point, on recule derrière B, on attend. On attend de voir ce qu'ils vont faire. C'est dans votre plane sur C. C'est full C, je crois. Hein. J'ai personne sur B. Ok. 7 et 8, porte principale du Warcamp. 7 et 8, porte principale du Warcamp. 9 et 10, on est sur le feu de camp à côté de B. 9 et 10, on est sur le feu de camp à côté de B. 7 et 8, porte principale du Warcamp. Ok. 9 et 10, on est sur le feu de camp, sur B. On va courir, on va arriver dans leur dos. On va se diriger vers C, on va se diriger vers l'est, est. On va arriver dans leur dos. Direction est. Je cherche un pack T10. Sur la route, quand on arrive sur C, il y a un pack de squishy. Allez, route et impact. On arrive dans leur dos, c'est que des squishy. Ok, 7-8, vous continuez sur B, 7-8, vous continuez sur B, retournez à défendre B. 9 et 10, on est sur la route, on recule sur la route, avec Cortac, là, vous le voyez.
Et on fait 10, on recule sur la route, sur C. On va impacter à nouveau sur le point, tous ensemble. On va charger dans 3, 2, 1. Vous voyez, il y a un pack, il y a un pack à côté de la route. On charge dans le pack, on charge dans la droite. On tient la route, on tient la route, on tient la route. Phoenixia, Phoenixia, tu l'as vu? À côté de la route. Ok, on se regroupe à nouveau sur la route, 9 et 10. 7 et 8, vous tenez? Vous nous donnez l'info si vous tenez plus. 9, 7 et 8, info? C'est bon, c'est bon. Ça a l'air d'aller sur 9 et 8. Ok, 7 et 8, on est sur la route. What? Pardon, pardon, pardon. 7 et 8, on est sur B. 9 et 10, on est, 9 et 10, on est sur la route. 9 et 10, on va charger en direction de C. 9 et 10, on charge en direction de C dans 3, 2, 1. On charge, on charge, on charge. Il y a un groupe, il y a un groupe sur le side, il y a un groupe sur le side sur Norinrad si vous me voyez. Ils sont tous stun, ils sont tous debuff. Oh, c'est bien ça. Ok. On est à l'est, on est à l'est, 9 et 10. Allez, on est à l'est du point, on est sur C, 9 et 10. On se regroupe à l'est du point sur Norin, on tue leurs archers, ceux qui sont perdus là. 20 secondes. On est à l'est du point, on regarde le point. On va regarder une direction de la route, j'ai l'impression que ça se bat. Non, c'est bon, c'est des mecs de nous. Ça se passe. Ok, ok, ok. 9 et 10, on va charger au direct. On va traverser C. 9 et 10, on va traverser C. Ils sont en train d'arriver dans le dos depuis la choc. Regardez direction sud. Vous êtes sur la route de C, on va charger direction sud, maintenant, maintenant, maintenant. Vous voyez, il y a un pack qui vient d'arriver depuis la choke point. On charge direction sud, on charge direction sud, 9 et 10. Allez, on les voit, oh c'est beau ce que vous faites. On prend la choke, 9 et 10, on prend la choke point. 7 et 8, vous vous ennuyez ou ça va? Un petit peu là. Ouais, juste groupe 7 reste, groupe 8, tu viens sur C. Ça sort. Ça porte oui, principal. Ok, ok, ok. 9 mais et 10 sur 7 et 8, vous restez. 7 et 8, vous restez sur B. 9 et 10, 9 et 10 sur la forto, sur la forto, sur la choke. Ils vont arriver sur B, Kim. 9 et 10, on se dirige vers B. 9 et 10, on se dirige vers B. Rendez-vous feu de camp. C'est ce que tu m'as dit. Hein. Ils vont tous C là. Non, ils vont tous C, ils vont tous sur C. Fausse info, fausse info. 9 et 10, on est sur la choke, on est sur la choke. 9 et 10, on tient la choke, on tient la choke, on attend, c'est là où il y a notre backline, on les tient. Vous les voyez, ils sont en train de regrouper direction est, 9 et 10. On va charger direction est depuis la choke, maintenant, 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 maintenant. 9 et 10, direction est depuis la choke. On les attendait. Hein. Okay, ils sont arrivés aussi dans notre dos. 9 et 10, on est sur la choke à nouveau. 9 et 10, on est sur la choke. Sur le goulot d'étranglement derrière C, les gars. 9 et 10. Uniquement le groupe 7 reste sur B, le groupe 8, vous venez choke point groupe C. Snoopy timer. 10 secondes. 7 secondes. C'est le moment de mourir si vous voulez. 5 secondes. Mourir. 8, 9, 10, on tient la choke point. 8, 9, 10, on se regroupe sur la choke. 8, 9, 10, on charge direction de la choke maintenant, 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 maintenant. La choke, plein milieu de la choke, plein milieu de la choke. Ils sont 4, ils doivent mourir. On les a tués, ils meurent pas. Ok, depuis la choke, on va charger direction C, direction feu de camp. 3, 2, 1, on charge direction du point. Je veux voir, on prend les packs, on les allume. 35 secondes. 35 secondes. Derrière le point, ils sont derrière le point, ils sont derrière le point. 7, 8, 9, 10, on pousse. Sur le point, ils sont stun. Sur le point, ils sont debuff. Attendu, 20 secondes. Ok, 8, 9, 10, on reprend la choke. 8, 9, 10, on reprend la choke derrière C. 8, 9, 10, on reprend la choke derrière C. Le groupe 7 uniquement sur B. Sur la choke, il y a deux archers là, ils sont stun. Sur la choke point, les gars. Sur Baloutin, c'est parfait là où t'es positionné, Baloutin. On res. On tient la choke. On va charger direction du point. Allez. 8, 9, 10, on charge sur C. 8, 9, 10, on charge sur C. 8, 9, 10, on charge sur C. On avance, on avance, on avance, on avance. On a nos sorts maintenant. On pousse. Ils sont tous stun. Allez, vous mettez tous vos sorts, ils sont morts, et on se déclame instant.
Allez, on reprend la choke, on reprend la choke, on reprend la choke, 8-9-10. Allez, la backlane, c'est nous. 8-9-10, on tient la choke point. On les a bien clean. On prend la choke point, les gars, on recule, on recule, on recule, on recule. Regardez depuis la choke point sur le feu de camp, il y a un groupe d'ennemis qui est en train de se rejoindre. Dès qu'on est suffisamment nombreux, on charge. Ok, ils sont en train de all-in. On charge, on charge, on charge, on charge sur leur gros pack. Vous mettez tous vos sorts, vous chargez, vous restez vivant, vous mourrez pas surtout. Ok, sur le chemin, ils sont morts, c'est bien. Ok, va falloir charger direction de C dans 3, 2, 1. Va falloir clean up C, tous les cacs sur C, tous les cacs. 50 secondes. Tous les cacs, on est dans le point C. Dans le groupe 7, j'en veux qu'un seul qui reste sur le point, je veux tous les autres sur C. 8, 9, 10, on est sur le point, tous les cacs sont sur le C, sinon vous tenez la choke. Vous tenez la choke, 7, 8, 9, 10. Ok, 7, 8, 9, 10, regroupement de choke point. On va charger, vous envoyez un là sur Sirius. 7, 8, 9, 10, on va charger direction nord-ouest, direction feu de camp, ils sont en train d'arriver. 7, 8, 9, 10, on leur rentre dedans, pendant leur rota, on leur rentre dedans, on charge, pendant la rota, direction feu de camp. Feu de camp sur C. Allez, recoupement, feu de camp sur C, il y a que Zowin, il doit tomber. Ok, 7, 8, 9, 10, direction B. On est au feu de camp, on va direction B, il faut y aller maintenant. 7, 8, 9, 10, potion de speed, direction B, go. 7, 8, 9, 10, on rush, direction B, on perd pas B. On est là, c'est nombreux, t'inquiète. C'est bon pour B, on va réussir. Côté sur B, ouais. Allez, 7, 8, 9, 10, on est sur B. Ok, uniquement le groupe 7 reste sur B, Tous les autres on se prépare à charger dans le dos, on est feu de camp sur B à part le groupe 7. Ok, 7 et 8 sur B, 7 et 8 sur B, 9 et 10 on se prépare à charger. On est sur le feu de camp, le groupe 9 et 10. On va charger direction C, on attend. Ça se motive sur B. Pour l'instant on défend B. Tempo. Ouais, sur B aussi. 9 et 10 on est feu de camp. 9 et 10, feu de camp. On est en train de prendre potion de speed, on arrive dans leur dos sur C. Allez, 9 et 10, même 8, 9 et 10, on prend les potions de speed, on arrive dans leur dos sur C. Full wipe sur C, full wipe. Full wipe. Ok, allez, c'est bon, c'est notre moment. On charge sur C. 8, 9, 10. Tout sur le point. On arrive à 15, on impacte sur le point. On se pose pas de questions, il reste 30 secondes. On est tous dedans, ils prendront pas le point. On les a massacrés. Oh le carnage. Ok, on pousse direction est, 9 et 10. 30 secondes. 8, 9, 10, on pousse direction est, on va les chercher, c'est que des squishies. Il y en a même qui ont des mosquées, imaginez. C'était 8 gobé. C'est bon, GG. Bravo. Et merci. GG. Ah, c'était intense là. Hein. Tout ça grâce au. J'ai les pieds béton depuis le début de la war. Et j'ai eu la même chose. Ouais, moi aussi j'étais béton. Ouais. On est d'accord, les pieds béton, c'est quand en fait vous pouvez plus avancer du tout. Il faut sauter, comme une grenouille. Le seul moyen d'avancer, pour moi, c'est des skis, en fait. C'est un cancer, parce que tu mets une roulade, du coup, ça te TP en avant, tu glisses énormément. C'est ça. C'est très bizarre en léger, en plus, d'avoir les pieds béton. Go cap gré du vent. Là, vous sortez, vous allez cap gré du vent. Le chan est juste en dessous du champ d'invasion. GG. J'ai pété les plombs. Ok, non, bah j'avais jamais eu, je découvre, et j'ai découvert la moitié de la war, c'est l'enfer. Ok. Tu découvres le bonheur. Ça va quand t'es en défense, les pieds dans le béton, joué, t'es pas aussi pire que de l'avoir en attaque. Ouais j'imagine. Les pieds béton dans un groupe anti-flank, c'est horrible. Ouais, tu peux pas. Tu beaucoup moins du coup. Ok. Genre t'arrives sur C et puis t'entends, on part sur B. Ouais, allez on y va. Hein. Écoute, je vous rattrape à la prochaine rota, les gars. Ouais, Kimune il est un peu dyslexique des points cardinaux, c'est pas grave. Hein ouais, B et C, on avait du mal. T'as un moment. Non, mais en vrai. GG les leads. C'était correct, juste les gens s'y attendaient pas, tu vois, c'est tout. Les heals aussi. Maintenant, pour remonter Norin,
Ouais, montez le son des LED s'il vous plaît. Quelqu'un a pris des screens parce que. C'est record, c'est record, il y a tous les tableaux à la fin. On a eu les screens, c'est bon ? Oui, oui, c'est record, il y a tout. Prenez pas les morts. Les morts. Franchement, non, mais ils ont zéro race en face. Vraiment, ils voient un heal pied béton là qui fait du surplace. Ils arrivent à 4 sur toi. Aucune pitié. Ouais, vraiment, ils sont vraiment, j'étais en train de les insulter. La pitié, c'est pour les faibles. Ouais. Bah, moi j'ai regardé un moment, j'étais bien dans les morts. Je me suis dit, ah, pff, ça va, je serais pas en bas du classement. J'ai regardé à la fin, j'ai fait oh. Ça dépend comment tu le classes. Ouais, si tu classes à l'envers, t'es en bas. Moi, sur ouais, donc. Sur le groupe C, quand t'es fixe sur le point, ton nombre de morts, il peut pas être bon, hein, dans tous les cas. Donc, Ah. Nous, le groupe 3, sur les murailles, on voyait un seul mec à l'arc qui abusait du jump shot là. Ouais. Non, ça va. Ah, il m'a pété les couilles, le mec, hein, en question. Je pense que Kubu faudrait le mettre sur les tourelles maintenant. Hein. Allez. Ça a pas l'air de bien se passer, elle est à 0% Windsward là, ah, donc il va falloir qu'on impacte fort. Mais il y avait une attaque là juste avant, c'est ça? Ouais, mais. Il y a un petit debuff, ouais. Hein, il y a un temps de debuff pour marquer la porte. Ouais, mais c'est une heure et c'est la forteresse. Allez, on va tous sur. Ils ont déjà attaqué donc faut y aller là. On va tous sur le canal Cap Gré du Vent, ils sont que 19, on arrive à 50 de plus, go, on sera 70. Même moi.